Yes, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir les armures ancestrales elfes de sang. Alors c'est une suite de quêtes qui va durer une vingtaine de minutes. Pour avoir accès à la quête, il faut être exalté avec l'une d'argent et avoir un personnage niveau 120. Le personnage 120 peut être un sésame. Ça peut être un sésame niveau 110 que vous avez monté 120. Parce que avec les taurennes de Horrok et les sacres nuits, il fallait monter du niveau 1 au niveau 110 en pixant. Là, avec les elfes de sang, avec l'armure ancestrale elfes de sang, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, je vais vous montrer la quête. Donc ça, c'est la première. Marcher parmi les fantômes. Alors, je vais faire la suite de quête en coupant mon micro, parce que sinon on va entendre mon clavier. Et je vous reprends à la fin, quand je recevrai ben, ces fameuses armures. Apparemment, il y en aurait deux. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon allez. À dans 20 minutes. Que voulez-vous? C'est un honneur pour moi que d'être seigneur régent. Tout ce que je le fais pour Kel'Thalas.
C'est ici que la fin a commencé. Ma compagnie et moi traversions une forêt non loin de Zulaman, quand nous avons appris la nouvelle de l'invasion du fléau. Nous n'étions pas prêts à faire face. Kel'Thalas jouissait d'une paix idyllique depuis des années. Et du jour au lendemain, nous devions affronter la mort elle-même. J'ai perdu mon œil pendant la bataille. Et j'aurais perdu la vie sans l'intervention de Alduron. Les mots ne peuvent décrire ce que nous avons subi ce jour-là. C'est un miracle que certains aient survécu pour relater les faits. Nous ne pouvons gâcher cette chance. Des champs éternels demeure. La Horde nous donne la force.
Sylvanas Courcevent assurait la protection de notre royaume. Si elle et ses forestiers n'avaient pas tenu tête à Arthas, notre peuple ne serait plus. Elle a consenti au sacrifice ultime pour nous permettre de fuir et de reconstruire notre royaume déchu. Nos cœurs furent brisés quand Arthas la transforma en Banshee et la dressa contre Kel'Thalas. Sylvanas et moi avons eu nos divergences, mais jamais je n'oublierai son sacrifice. Elle était le général des forestiers de Lune d'Argent. Rien ne pourra jamais changer cela. La reconstruction se poursuit. Plus jamais un roi ne régnera. Le soleil éternel nous guide toujours. Armez une baliste! Couvrez les civils en fuite!
Baladash, Malanoré. Lune d'argent retrouvera sa prospérité d'antan. La lumière du puits de soleil vous bénisse. L'heure de la vengeance approche. Contemplez la fin, la chute de la dernière barrière. Anaria Shola. Shorel Aran. Pendant des milliers d'années, le puits de soleil était tout pour notre peuple. En le profanant, Arthas nous a infligé une blessure profonde. La chute de Lune d'Argent a ébranlé ma foi. Je ne savais plus qui j'étais. Mais par la grâce de la lumière, j'ai trouvé la rédemption avant qu'il soit trop tard. Puisse ce monument nous rappeler ce que signifie être un signe d'oreille. Que chacun de nos actes honore le sacrifice de nos ancêtres. Quoi que nous endurions, nous ne perdrons jamais espoir. Face aux ténèbres, le soleil éternel est notre guide.
Vous n'irez pas plus loin, Prince Arthas. Vous brûlerez pour vos actes. Invincible. Vous étiez peut-être redoutable autrefois, mais je sens votre âme faiblir, votre force vitale vaciller, telle une flamme que je me ferai un plaisir de souffler. Moi, au moins, j'ai une âme, espèce de monstre. Plus pour longtemps. Je suis le bras armé de la lumière. Bon courage. Bon là apparemment, il y a un dernier scénario et ça sera terminé. Thank you.
De Kel'Thalas. Je vous ai laissé maintes occasions de vous rendre, mais vous avez refusé obstinément de vous soumettre. Aujourd'hui, c'est votre peuple et son héritage qui vont disparaître. La mort elle-même vient revendiquer la haute demeure des elfes. Arthas a massacré le reste de nos troupes et fait revenir Kel'Thuzad sous forme de liche surpuissante, provoquant ainsi la corruption irrémissible du puits de soleil. Nous aurions subi le même sort si nous n'avions pas rompu le lien magique qui nous unissait au puits. C'est donc le cœur lourd que Kael'thas a décidé de le détruire. L'heure est venue. Puissent la lumière et le soleil nous guider jusqu'à la fin. Les tirs de canon? Les Amanis ont touché terre. Nous devons faire vite. Tuer assez de morts vivants pour ouvrir la voie et laisser le reste aux trolls. Cela devrait nous permettre de gagner du temps. Puits de soleil. Qu'a-t-il fait ? L'âme de notre peuple tombe en décrépitude. Chaque lever de soleil ne fait qu'en plus. Yadrin, surveillez l'entrée. Ne laissez passer personne. Nous tiendrons la position jusqu'au bout. C'est la main Ashtalanore. Avec moi ! Protégez les magistères, vaille que vaille! Nous devons atteindre le puits de soleil! Yeah.
Je vais réussir à crever pendant le scénario, c'est ouf. C'est vraiment la merde, c'est comme dit. Essayer de pas crever, ça serait quand même honteux. Et moi, ma pâte épée, moi. Ainsi s'achève le chapitre le plus tragique de notre histoire. Bon, ça se termine. Suivez-moi. Il est temps de rapporter la lanterne à l'une d'argent. Ah, il est grand temps. Ça fait une demi-heure que j'ai pas regardé à quelle heure j'avais démarré. Après, c'est vrai que j'ai pas pris les chemins les plus courts. Ça faut. Faut l'avouer, j'avais pas trop où aller du coup. Bon, là logiquement c'est fini. On va aller récupérer l'armure ancestrale. Gardez toujours en mémoire que notre peuple ne se définit pas par les tragédies qu'il endure, mais par sa capacité à les surmonter. Des cendres du passé, nous allumons la flamme des espoirs futurs. En tout cas, on a appris beaucoup de choses sur les elfes de sang. Moi, je connais pas grand chose en lore. Je vais rebaisser un peu le son.
On a appris pas mal de trucs, c'est intéressant à faire. Alors, les armures ancestrales. L'honneur me revient de vous remettre la tenue de nos plus grands héros. Bellono Silaru, belle oreille d'oreille. Levez-vous, fier membre des signes d'oreille. Ah, il est chaud. Il est vraiment chaud. Bon, c'est pas tout ça, mais on va tester l'armure. Alors. Exactement ce qu'il vous faut. Oui, ça c'est le visage. Est-ce qu'il y a un ensemble? Ah oui, voilà. Armure ancestrale des signes d'oreille. Ah, elle est pas mal. Ah, franchement, elle est stylée. On va la mettre. Peut-être mettre un autre bâton, du coup. Juste dans les couleurs. Ouais, voilà, ça c'est mieux. Appliquer. On va regarder ce que ça donne. Ah ouais. Ah, franchement, ça valait le coup de galérer pendant 30 minutes. Après, j'ai galéré parce que je suis nul aussi. Franchement, j'étais pas chaud quand j'ai vu les premiers screens. Mais là, une fois qu'on est dans le jeu, qu'on l'a sous les yeux, il n'y a pas à dire, elle fait vraiment le café. Ça doit être vraiment stylé sur les hommes aussi. Et j'ai pas d'elfe de sang. Ah si, j'ai un voleur. Ouais, mais c'est pas grave. J'essaierai une autre fois. Ah non, franchement, elle est vraiment stylée. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc sachez que si vous voulez avoir la quête pour cette armure, il faut être niveau 120 et être exalté avec l'une d'argent. Voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à plus.